Salut les amis, nouvelle vidéo sous la neige. Alors cette fois-ci je pars du boulot pour faire 2-3 courses, pour aller acheter à manger entre midi et 2. Parce que c'est ce camion. Bref, donc voilà, je vous montre un petit peu le trajet, comment ça se passe. On va aller dans cette grande épicerie comme ils appellent ça. C'est un supermarché standard de chez nous. Le Provigo. Donc qui a l'air assez gigantesque. On va voir un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc voilà, une nouvelle journée sous la neige, vous l'avez compris, c'est le but de vous filmer uniquement quand il neige, histoire de vous montrer un petit peu l'ambiance. On va s'arrêter au feu parce que ici. Ici, il faut quand même respecter un minimum les feux piétons. Je sais pas du tout où est l'entrée, on va découvrir ça ensemble. Je pense que c'est là où il doit y avoir le FedEx, le camion FedEx. Là ça neige bien là aujourd'hui, ce week-end on a prévu à peu près 30 cm de neige avec une tempête de neige, température pouvant aller jusqu'à moins 36, donc là ce week-end ça va piquer. Voilà, l'entrée est bien ici. Voilà, donc nous voilà dans le Provigo. Alors c'est un petit peu un magasin particulier, je suis jamais encore rentré. Voilà, par exemple, ça on l'a payé 2$ de plus hier en commande. C'est assez immense. Je vous montre rapidement. Je fais un petit tour, après je ferai les courses tranquillement. C'était du bœuf maturé, j'ai pas commenté, c'est vrai, mais. Alors là, apparemment, il y aurait des saucisses un peu comme on a en France, la fleur, celle-ci. J'en reviendrai les acheter. Parce que pour trouver les mêmes produits qu'on a en France, je vous raconte pas comment c'est compliqué. Alors ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il y a 25 000 déclinaisons du même produit. Il n'y a pas vraiment énormément de produits différents. Mais il est décliné sous une dizaine, voire une quinzaine de formes différentes. Comme vous le voyez là par exemple sur les fromages, c'est quasiment tous les mêmes, mais déclinés avec des saveurs, etc. différentes. Je vais essayer de vous amener, je sais pas du tout où c'est, je vais essayer de vous amener au coin traiteur pour acheter mon repas, mais je vous avoue que je sais pas du tout où c'est, ça m'a l'air un petit peu grand. On va voir si je le trouve. J'ai écrit cantine là-bas, je pense que ça doit être ça. Ah, il y a des fruits ici.
Ok, des fruits tout prêts, on verra ça après. Et tu t'étales à la charcuterie. Alors faut savoir que la charcuterie ici, c'est hors de prix. Hein. Donc on en mange très rarement, un peu comme le fromage d'ailleurs malheureusement. Par contre, tout ce qui va être sucrerie ou snack, fast-food, etc. Ça coûte pas cher, bien sûr. Donc voilà, c'est ici le coin traiteur. Où vous avez plusieurs sortes de plats différents, du poulet, de la viande, des salades. Et le coin sushi. Parce qu'ils adorent la bouffe asiatique ici. Voilà, c'était un tour un petit peu rapide du Provigo. Mais va falloir que je fasse mes courses pour pouvoir retourner au travail. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.